Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant, Tambour Battant consacré à la forêt aujourd'hui. Une forêt peut en cacher une autre. Alors notre premier invité est Pascal Vinet. Sure. Pascal Vinet, vous êtes ingénieur des eaux et forêts, comme il se doit, je dirais pour un sujet pareil. Vous êtes directeur des relations institutionnelles du groupe AMA et surtout vous êtes l'ancien directeur général de l'Office national des forêts, l'ONF. Et c'est à l'ancien directeur général que je vais poser la première question, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de la possession de la forêt en France. Quel est le rapport de l'État à la forêt Est-ce que l'État possède la majorité des forêts Non, l'État ne possède qu'une petite partie des forêts françaises, puisque la forêt française, c'est aux alentours de 17 millions d'hectares, c'est un tiers de la surface de notre pays. Et la forêt domaniale, qui est vraiment la forêt possédée par l'État, c'est 10% de, cette, de la surface, c'est-à-dire que c'est à peu près 1,6 million d'hectares. Donc c'est vraiment une petite partie, mais qui est évidemment très importante pour euh, nos concitoyens. Alors qu'en est-il de la gestion des forêts Gestion du côté public et du côté privé Alors la gestion, elle est très claire. Euh, gestion privée et gestion publique. La gestion privée, ce sont les deux tiers des forêts qui sont gérées par 4 millions de propriétaires forestiers. Donc euh, ce qui caractérise aujourd'hui la gestion privée, c'est une dispersion euh, de nos euh, propriétaires. Et puis la gestion publique, eh c'est une gestion par l'Office national des forêts, que ce soit sur la forêt domaniale, 1,6 million d'hectares, ou que ce soit sur la forêt communale, puisque les communes et les collectivités possèdent 2,7 millions d'hectares, là aussi qui sont gérés par l'Office national des forêts. Alors, Alors bon, précise, pardon, le, une précision importante, mais c'est vrai que pour nos téléspectateurs, ils ne le savent peut-être pas, mais donc l'Office national des forêts ne possède pas, évidemment, Hein, le, la surface forestière, mais est chargé de sa gestion. – Absolument, le général de Gaulle, lorsqu'il a créé l'Office national, national des forêts, absolument, ah. il a décidé de confier la gestion de la forêt à l'Office national des forêts, ah. mais, de, ne, mais dans, de conserver la propriété euh, à l'État, et donc l'Office n'est qu'un gestionnaire ça. Euh, forestier. – Alors parlons de l'évolution des surfaces forestières. Euh, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme c'est intuitivement, ça augmente, et ça a augmenté considérablement depuis oui. un siècle. Oui, ça augmente euh, considérablement. Lorsqu'on regarde euh, les chiffres euh, en 1830, par exemple, entre 1830 et aujourd'hui, on a doublé la surface forestière euh, nationale. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un chiffre assez simple à retenir, la surface forestière française a augmenté de 5 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près la surface du Danemark. Ce qui est tout à fait colossal et considérable, est-ce que ne savent pas beaucoup de nos concitoyens oui, en ça, ça va à l'encontre. C'est aussi le but de cette émission. La forêt qui cache la forêt, mais à l'encontre de, de beaucoup de clichés oui. qui imaginent que la forêt est en perdition, que ceci oui. n'est pas du tout en, Fran Alors, en est France. Est-ce que c'est lié, est -ce est lié à une évolution idéologique qui est au fond que euh, autrefois il fallait se débarrasser de la forêt parce que c'était euh, au fond le désordre, parce que c'était l'imbroglio. Et qu'aujourd'hui, au contraire, on a découvert que la forêt a beaucoup, beaucoup d'avantages, et qu'à l'inverse, euh, maintenant, euh, il faut exalter la forêt. Oui, enfin, je pense que là, il faudrait, le, il faudrait demander ça à des historiens qui ont travaillé on le fera sur. Tout à le, très oui. bien. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la forêt a eu des usages variés au fil des siècles, euh, et souvent. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'État, euh, notamment, a décidé de protéger la forêt et de protéger le foncier forestier. Pour éviter que celui-ci puisse être euh, dilapidé au moment de besoins particuliers, notamment dans les temps anciens, lorsqu'il y avait des guerres, on avait besoin d'argent, donc on, on coupait la forêt et on l'utilisait, ou lorsqu'on en avait des besoins euh, importants, évidemment, pour euh, l'existence même de nos populations. Et donc, euh, très vite, on s'est rendu compte de l'importance de la forêt et on a mis en place des dispositifs de protection. D'ailleurs, euh, il suffit de remonter au XIVe siècle, en 1346. L'ordonnance ah, de, Bruno, de Brunois. L'ordonnance de Brunois, effectivement, où Philippe VI de Valois ouais. a décidé de, de mettre, euh, de décider que les forêts, et les bois et les arbres euh, doivent, se, per, doivent perpétuellement soutenir, se soutenir de manière durable. Et il a utilisé le mot soutenir, qui est l'ancien français. Donc c'est le de durable. Qui sustainable. Est devenu sustainable en anglais. Voilà. Et qui en fait a été repris 650 ans plus tard par Mme 80, Brudeland. 87. En 1987, il a fallu attendre. Exactement, 99, pour qu'on parle de développement durable. Ouais. Donc au fond, euh, on n'a pas inventé grand-chose. On a simplement repris des principes qui avaient été édictés dans les temps anciens, parce que nos prédécesseurs ont été confrontés aux mêmes difficultés que nous. Et ils ont d'ailleurs créé très rapidement une, administ une administration, une organisation liée aux eaux et forêts pour la préserver, parce qu'ils ont bien compris que eau, forêt, air sont des éléments vitaux pour, évidemment, la, la population. – qu'elle Vinet, euh, en fait, la forêt fait quand même la une d'un certain nombre d'informations, et je pense évidemment à ce qui s'est passé euh, en Australie euh, récemment, avec la forêt qui a brûlé, une quantité euh, oui. énorme, bon. et puis je pense aussi au Brésil, les conditions dans lesquelles le régime Bolsonaro a décidé, au fond, de déforester, on peut dire qu'en France, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la forêt n'est pas menacée, à votre avis elle, elle est, Non, elle n'est pas menacée en, en tant que telle. Euh, elle traverse des, des moments difficiles, et notamment on, on est à une, à une de ces périodes avec la, la crise climatique, avec des sécheresses importantes, des difficultés en matière de tempêtes aussi importantes. De, de tempêtes et à... autres qui font mmh. qu'effectivement, et notamment l'année dernière, la forêt a beaucoup souffert. Mmh. 99 aussi. Oui absolument. Alors oui. il y a eu les grandes tempêtes de 99, il y a eu la tempête de 2009 9, euh, dans, oui. dans le sud-ouest. Oui. On a aujourd'hui euh, des problèmes liés à la chaleur et à, euh, à la sécheresse qui impactent très fortement euh, nos forêts, euh, notamment de l'est de, de, de la oui. France. Oui. Mais pour autant, la forêt française, elle a trois avantages, si j'ose dire. Elle a un premier avantage qui est que sa surface augmente. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important et il faut. Ne pas l'oublier, elle représente 30% de notre surface terrestre, enfin en tout cas en métropole. – Voilà. Est, est considérable. Voilà. Et Il n'y a elle... guère que la, la Finlande et la Suède, je crois, qui sont euh, en Alors, Europe. Euh, – Oui, qui sont Europe, devant hein. nous. L'Espagne aussi voilà. a une grosse surface forestière qui mm -hmm. est au-dessus au de celle de notre pays. Mm -hmm. euh, elle, a, elle a des forestiers et des propriétaires forestiers qui sont compétents et qui sont attachés à leur forêt, donc qui prennent, qui font attention, qui, sont, qui la préservent. Et, et puis, euh, au fond, on a aussi une… Une volonté collective euh, de s'inscrire dans la durée. Alors, après, il y a des débats de société hein, autour de ces questions, de ces menaces, déforestation, changement climatique, mais qui sont légitimes. Hein. Je pense que les Français sont interpellés et, à juste titre, ils sont euh, inquiets. Et on est d'autant plus inquiets en France que, finalement, on a pratiquement euh, une large représentation du monde forestier. On a des forêts tempérées on a des forêts tropicales en Guyane, hein, plus de 7 millions bon, il faut pas 7 ça millions fait millions partie de la France effectivement. On a des forêts en, en outre-mer euh, à la Martinique, à la Guadeloupe, euh, sur l'île de la Réunion qui sont aussi qui occupent 40 du territoire. Et puis on a des forêts en montagne et des forêts en plaine. Donc mmh. au fond, là aussi on se retrouve dans une situation où on est concerné par toutes les menaces qui peuvent exister, et... mais je pense qu'aujourd'hui en toute euh, conviction, euh, la forêt française est une forêt qui est gérée durablement. Sur les principes de l'ordonnance de Brunois, si j'ose dire, et qui euh, prend en compte ces différents éléments. Euh, et pour cela, évidemment, il y a besoin de, de bien l'expliquer à nos concitoyens. Euh, on a des menaces, mais on ne doit pas avoir d'inquiétude. Pascal Vinet, il y a quand même un problème euh, qui revient de façon récurrente, c'est la question de la chasse. Alors vous allez peut-être me dire qu'effectivement, ce n'est pas très important, mais euh, on décrit la chasse comme étant susceptible, au fond, d'affecter terriblement les forêts. Ah, oui, vous avez raison, la chasse est, une, est un enjeu important pour la gestion forestière. Lorsque je suis arrivé à l'Office national des forêts, c'était en 2010, j'ai évidemment, euh, comme tout nouveau directeur général, euh, essayé d'aller dans, dans toutes les principales régions. Euh, de l'organisme, qui est quand même très important, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire, ouais. hein, national, outre-mer et métropolitain. – Et la Corse. – euh, Sur le territoire national, la plupart du temps, ce que me disaient euh, les agents de l'Office national des forêts, euh, dont la compétence n'est pas à remettre en cause, évidemment, ils me disaient, on a un problème avec la chasse. On a un problème, alors pas avec la chasse, mais avec le gibier. Oui. On a un problème oui. avec le gibier. Non pas que le gibier soit le malvenu en forêt, au contraire. D'ailleurs, il a progressé très fortement au cours de ces 30 dernières années, puisqu'on a multiplié par 4, par 6 les populations, notamment d'ongulés. Et donc, par contre, il y a un problème d'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre forêt-gibier, et qui euh, est aujourd'hui euh, défavorable à la forêt. Et notamment, euh, nos concitoyens sont très sensibles à la régénération naturelle des forêts, et euh, la régénération naturelle, elle subit souvent la pression du gibier. Qui, ayant besoin de se nourrir parce qu'étant ben, plus nombreux, ben, non, finalement, mange les mangent eu, les petits les arbres, pousses Les jeunes pousses, ben oui, bien et sûr. notamment les cerfs qui sont grands, oui, mangent les arbres lorsqu'ils sont grands. Donc ça veut dire que pour les mettre mmh. hors dents, hors des dents de ces animaux, ben, il faut attendre souvent plusieurs années. Et c'est un souci très important. Moi, je me souviens être allé visiter le massif du Denon, mmh. donc entre l'Alsace et les Vosges qui euh, était euh, complètement euh, abruti, c'est-à-dire que les animaux avaient complètement oui, le terre, consommé, ça, abruti. abruti. Oui. Et, et, et c'était vraiment, c'était très prenant et très préoccupant Mais pour l'avenir de la forêt. – Est-ce qu'on ne pourrait pas protéger plus efficacement les petites pousses quand, on en, quand éventuellement elles, elles recommencent, justement pour éviter cette, euh, alors, cette alors, pression on, du gibier ?– On le fait au moment des plantations, on le fait évidemment, c'est beaucoup plus difficile en régénération naturelle, non, ce qu'il faut, c'est veiller à l'équilibre forêt-gibier. Il n'y a aucune raison qu'on qu 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 accepte des déséquilibres, euh, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens vivent aussi avec difficulté les déséquilibres, la, la, la surprésence des sangliers. Le nombre d'accidents de voitures aujourd'hui liés ouais. à la présence des, des, des sangliers est considérable. Ouais. Donc euh, on a besoin, comme en toute chose, d'équilibre. Et Bien donc euh, on est en mesure de le faire. Et il faut effectivement que ça soit fait dans, dans, dans le cadre de contrôles, de, contrôle, de plans de chasse. Mais tout ça est organisé aussi par l'Office national de la chasse enfin il y a, ou l'Agence de la biodiversité. Donc il y, a, il y a vraiment des organisations qui, en France, permettent de, de réguler, d'équilibrer les choses. Je pense qu'il faut vraiment en forêt. La, le mot le plus important, c'est la question de l'équilibre oui, et la question finalement du, du bon dosage des différentes actions qu'on y conduit. Parce que, le, effectivement, le, le mythe de la forêt originelle, hein, naturelle, enfin, naturel, persiste. Dans, dans la vision écologiste qu'on peut avoir aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne chose. Mais euh, on le sait, et, et vous le dites dans, les articles, dans vos articles, dans vos interviews, une forêt doit être entretenue, gérée, sous peine de dérive incontrôlable. On, on, vient, on vient de l'évoquer. Et, euh, et aussi pour les risques d'incendie. C'est-à-dire que le risque d'incendie est beaucoup plus fort dans une forêt qui n'est pas entretenue. Oui, c'est clair qu'on a, qu a. Alors après, on a, on a un débat sur effectivement la. En fait, si on reprend les choses d'un tout petit peu plus loin. On sait que le développement durable dont nous venons de parler euh, euh, introduit en fait quatre euh, dimensions. Tout d'abord, une dimension économique, la production. La forêt est une, un lieu de production de bois, dont nous, nous sommes très friands aujourd'hui, pour la construction bois, mais aussi pour le chauffage. C'est aussi, un, il y a une dimension très importante, qui est la dimension environnementale. 80% de la biodiversité se trouve en forêt. Une dimension sociétale, aujourd'hui en forêt publique, Communale et domaniale, on accueille pratiquement un milliard de visiteurs par an. Et puis, ce euh, a une pas dimension, quelques problèmes elle, elle a aussi non. une dimension de protection. Ouais. Souvenez-vous les travaux euh, sous Napoléon III de restauration des terrains en montagne pour éviter euh, le reboisement de, de massifs entiers, pour éviter euh, les avalanches euh, ou les difficultés ou les, les glissements de terrain. Euh, regardez ce qui se fait en bordure de mer euh, dans les, sur les cordons littoraux. Euh, donc, on a une forêt qui a, aussi, qui a aussi un rôle de protection, protection des captages en eau, etc. Et donc, tous ces enjeux, pris individuellement, euh, sont très importants. Toute la difficulté, c'est d'arriver à les faire fonctionner ensemble, finalement. Et voilà, justement, la question que je vais vous poser, c'est qu'on a quatre enjeux que vous venez de très bien rappeler. Mais en fait, est-ce qu'ils ne sont pas contradictoires Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu difficile parce que vous vous les énoncez à la suite là comme ça Mais finalement, euh, le citoyen lui, en face de ça, il est à la fois quelqu'un qui se promène, quelqu'un qui voudrait voir la forêt produire éventuellement Exactement. du bois, et en même temps, vous voyez, euh, a, qui voudrait cette diversité dont on a parlé tout à l'heure, cette diversité euh, du point de vue de la, de, de la des pousses, et, et comme d'ailleurs la diversité du gibier. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, au fond, tout cela est tellement contradictoire qu'il y a au fond un équilibre assez complexe à maintenir oui. et que cet équilibre dépend quand même de l'action citoyenne. Oui, en tout cas, on voit bien que cet équilibre il peut être. Enfin, les intérêts peuvent être divergents, même si quelquefois ils sont convergents tout de même. Hein, on n'est pas dans des, des systèmes qui sont absolument contradictoires. Mais on a besoin de. de, de faire, en fait, on a besoin de faire des choix. On a besoin de faire des choix de gestion, des choix euh, en matière de préservation, en matière de protection. On peut avoir, et tout, tout l'enjeu finalement aujourd'hui de la gestion forestière, notamment après la loi de 2001 sur une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, c'est de trouver, trouver l'équilibre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos concitoyens veulent être associés à ce débat finalement sur l'équilibre de nos forêts. Et c'est très important parce que je pense que si on n'arrive pas à faire, enfin, si les forestiers ne parviennent pas à faire comprendre la pertinence de leurs propositions en matière de gestion durable, évidemment, euh, ça va être compliqué de le faire admettre aux, aux citoyens. Donc il y a un travail qui se fait avec les organisations euh, non gouvernementales, avec les ONG, qui se fait avec les forestiers, qui se fait avec l'État, qui se fait avec les propriétaires, de trouver les bons équilibres en fonction aussi des besoins de l'industrie, euh, mais également des besoins de, de protection, par exemple. Pro Là aussi, la protection, ce n'est pas récent. La première réserve pour la protection en France, c'est 1861 à Fontainebleau, première réserve artistique, 1861, avant le parc de Yellowstone, en 1872. C'est bien de le rappeler. Donc, donc on voit bien que là aussi, on n'est pas les mmh. derniers de la classe. Mmh. On était plutôt les premiers de la classe, d'ailleurs, avec une école forestière qui a été créée dès 1827 et qui fait référence dans le monde entier. Donc on est, on est armé. La vraie question, c'est le débat finalement que nous avons avec nos concitoyens qui veulent avoir leur mot à dire. Et moi, je l'ai vécu en direct, notamment euh, sur la forêt domaniale en région parisienne, puisque vous savez que Paris est entouré de forêts euh, domaniales. Et on a fait évoluer les modes de gestion euh, de cette forêt pour tenir compte aussi de nos attentes de nos concitoyens, mais aussi pour leur faire comprendre que finalement, euh, couper des arbres, ça participe d'une gestion durable des forêts. Couper des... On aime... Parce qu'on aime les arbres, on n'aime pas le bruit des tronçonneuses. Oui, mais enfin, ouais. ne pas couper d'arbres, c'est aussi ne pas permettre à la forêt de se renouveler. Donc ça, ça doit être expliqué, ça doit être partagé, et notamment pour les, pour les personnes qui habitent à proximité des forêts, qui sont souvent euh, peinées ou choquées quand euh, on coupe des arbres à côté de chez eux. – Parce voilà. qu dans quelle structure un tel dialogue citoyen est-il possible est Vous dites qu'on doit, on doit leur informer, il etc. Il, ex il existe aujourd'hui dans des structures que, par exemple, a mis en place l'Office national des forêts. Il existe dans des conseils d'administration d'organismes publics, à l'ONF, mais aussi dans d'autres sur la propriété privée. Chacun met en place les maires, les organisations. Moi, je suis, j'étais élu d'une ville qui s'appelle Évreux, et qui une très jolie ville normande, et qui a une forêt. Euh, en en centre-ville. Ben, vous comprendrez que quand on parle de forêt et qu'on parle de présence de la forêt en ville, de l'arbre oui. en ville, on le fait avec nos concitoyens. On en parle au moment du conseil municipal. Et ça se fait de plus en plus. Hein. Voilà, a, ça se fait de plus en tendance, plus. Euh... Et, et c'est normal. Oui. Les réseaux sociaux, l'évolution de notre démocratie fait qu'on a besoin d'en parler. Oui. La forêt n'échappe pas à cette dynamique. Au contraire, la forêt est révélatrice des questions existentielles, finalement, qu'a notre société. C'est quoi produire oui. C'est quoi préserver parce qu'aujourd'hui, l'acte de production est. Moi, j'ai été marqué par, un... par une chose, c'est qu'en 2001, l'État met en place une loi d'orientation forestière pour une gestion durable des forêts. À cette époque, c'était essentiellement pour insister sur la dimension environnementale de la gestion durable des forêts. Aujourd'hui, avec la même loi et le même concept, on essaye plutôt de défendre l'acte de production par rapport aux autres actes, l'acte de production étant de moins en moins compris de nos, nos... nos concitoyens. Et pour autant, mais ça, je pense que vous en parlerez aussi. Pour autant, le bois est, un, est une ressource absolument extraordinaire, notamment dans la lutte contre un le changement, changement climatique. Parlera, voilà, et donc on voit bien que, en quelques années, on peut avoir des basculements assez complets de perspectives, qu'il faut absolument euh, expliquer, analyser, et dont il faut débattre. Euh, mais il faut disposer d'informations, parce que je le rappelle, la forêt, c'est quand même un milieu technique. C'est quand même, il y a quand même des, des arguments scientifiques. Et là aussi, la science doit occuper toute sa place dans est ce C'est là débat. où il faut être pédagogique, effectivement, auprès oui. du grand public. Oui. Sinon, vous associez euh, très souvent, et ça se comprend, le, euh, la forêt à, à la mémoire. Oui. Euh, ça, quand, quand vous en parlez, le mot mémoire revient. En quoi donc est-elle une mémoire collective, donc une culture commune à tous et qui, qui mène justement euh, vers l'idée de la préservation. Par exemple, vous évoquiez la, la forêt guyanaise tout à l'heure, mais euh, elle compte pour 10 à 20 du nombre d'espèces d'insectes inventoriées dans le monde, ce qui est quand même prodigieux. C'est un conservatoire. La absolument, forêt. absolument. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que chez Groupama, on, a, on est propriétaire forestier depuis 1927. Alors, puisque ouais. vous parlez de Groupama, je, je, justement, pourquoi est-ce qu'un assureur privé, une compagnie d'assurance, s'intéresse à la forêt eh bien, parce, parce que vous êtes passé donc, de l'ONF à Groupama. Oui, j'ai eu le, le plaisir de, de découvrir que Groupama était le troisième propriétaire forestier ouais. privé français. 22 000 hectares de forêts. Euh, et depuis 1927, eh bien, ce sont des forêts que, nous, que le groupe a acquises au fil du temps, évidemment euh, pour, euh, comme investissement, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans la durée. Euh, notre groupe euh, est un groupe qui a maintenant 100 ans, hein, qui a été créé par des agriculteurs, pour des agriculteurs, bon, qui aujourd'hui s'est diversifié, mais qui a toujours eu les, le sens du long terme. Et qui s'est toujours dit que finalement. Ça, c'est l'esprit mutualiste. Oui, tu se dire que finalement, si on veut s'inscrire dans la durée, eh bien, il faut aussi euh, accrocher sa charrue à une étoile, comme on dit dans euh, l'agriculture. Et là, il faut a, a accrocher sa dynamique à une forêt. On est dans le temps long. On oblige à un raisonnement beaucoup plus. un peu, un peu détaché des contingences actuelles. Mais c'est un exercice qui est difficile parce que ce sont des investissements qui peuvent aussi se révéler difficiles à gérer dans les, dans les, dans les temps ultérieurs si jamais on est confronté comme aujourd'hui au changement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que l'assurance contre le feu. Il n'y a pas que l'assurance contre euh, éventuellement toutes les catastrophes possibles, tempêtes, etc. Mais il y a autre chose qui est au fond un intérêt positif d'un groupe euh, au fond qui vient de l'agriculture euh, pour, euh, pour la forêt. Oui, absolument. On a, il y a chez nos chez nos euh, comment sociétaires et chez les, les représentants de nos sociétaires un attachement profond à la forêt. C'est viscéral. Il y a vraiment une passion pour la forêt au-delà des enjeux économiques hein, et d'investissement. Euh, et il y a vraiment cette, cette volonté de dire que finalement, la forêt c'est aussi un acte de responsabilité euh, sociétale et environnementale pour notre entreprise. Bon, avec la forêt, on, avec notre patrimoine forestier, on couvre l'ensemble de, de nos émissions carbone. Donc on, on arrive à une neutralité carbone qui est très importante et qui évidemment aujourd'hui pour notre groupe est aussi un argument de fierté pour les collaborateurs. – difficile d'un label d'ailleurs on ne on, enfin on enfin on, on cherche pas spécialement à courir non, après non, les labels, non, mais... on le fait aussi parce qu'on pense que c'est de notre responsabilité. En tout cas, ce que l'on ce veut, c'est aussi que nos, nos collaborateurs, nos sociétaires se disent bah, finalement, euh, notre groupe est aussi un groupe qui prend en compte les, les enjeux sociétaux, les préoccupations de notre société aujourd'hui. Justement, c'est absolument fondamental la forêt du point de vue au fond du, du poumon de l'humanité oui. puisque c'est la manière au fond d'éviter euh, euh, le carbone euh, dans des conditions enfin, le carbone s'échappe oui. dans des conditions épouvantables puisque justement la, la forêt capte ce carbone. Est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre euh, le rôle que vous jouez alors dans cette perspective climatique Écoutez, la forêt, c'est euh, un, un mètre cube de forêt, c'est une tonne de carbone euh, stockée. Donc vous voyez, en France, euh, on a en gros 550 tonnes de carbone euh, euh, par, euh, par hectare, euh, arbre et sol compris, ce qui fait à peu près 10 milliards de tonnes de carbone stockées euh, sur la partie métropolitaine. Hein. Je ne compte pas la partie évidemment, euh, toute la partie euh, Outre guyanaise, outre-mer. Euh, donc c'est vraiment un, un rôle extrêmement important. Et cette action que conduit aujourd'hui la forêt, qu'on ignorait par le passé, qu'on découvre aujourd'hui comme étant extrêmement positive, eh bien, elle, à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, elle est aussi, imp aussi importante que ce que peuvent imaginer aujourd'hui les Français à l'échelle de, de, de notre pays. Je parlais, Je parlais tout à l'heure du Brésil. Au fond, est-ce qu'on n'a pas là un contre-exemple par rapport à la manière dont le Brésil traite sa forêt, notamment en Amazonie, avec la destruction de forêts, sans prendre en compte le fait que cette forêt amazonienne, comme la forêt guyanaise, est susceptible, au fond, euh, de permettre à, à, à l'humanité tout entière de respirer et de ne pas avoir euh, cette augmentation épouvantable de la température. C'est vrai que la, le Brésil a une responsabilité euh, très particulière à l'échelle mondiale, sur, euh, notamment avec le poumon amazonien. C'est là qu'on est confronté, finalement. Euh, au, à la contradiction des enjeux dont nous parlions tout à l'heure avec des enjeux locaux, hein, de besoin de terre pour l'agriculture et puis des enjeux euh, euh, planétaires où on a besoin de préserver euh, la forêt. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, encore moins aujourd'hui qu'hier, euh, raisonner euh, localement sans penser globalement. Ce n'est pas possible. Euh, alors évidemment c'est très contraignant pour le Brésil, c'est sûr, mais c'est aussi très contraignant pour la France et c'est aussi con très contraignant pour les autres pays du monde. Et tous ceux aujourd'hui qui nient cette réalité, ben finalement, ils hypothèquent une partie de la, de la, de, du futur de notre planète et puis de, de leurs enfants. Donc je, je pense qu'il y, y a une question de responsabilité derrière tout cela, qu'il faut vraiment avoir en tête. Et cette responsabilité, elle est aujourd'hui évidemment partagée par les États elle est partagée par les entreprises mais elle est aussi partagée par les citoyens, qui au quotidien ont des actions aussi à conduire et doivent s'interroger sur ce que je fais aujourd'hui vis-à-vis de la planète et vis-à-vis -vis de, notamment de la forêt euh, et de et sa capacité à, à, à se développer à et se, à se maintenir. Mais c'est un vrai débat de société, hein, c'est un vrai débat de société. – Prolongeons ce, ce débat de société, qu'est-ce que vous faites, vous, au poste où vous êtes, pour que la France ne soit pas susceptible euh, de connaître euh, ce qui est arrivé euh, en Australie C'est-à-dire de, des feux euh, -ce absolument… Est – Est-ce que c'est en France, une telle ampleur euh... Que euh, sachant bon, que les forêts sont très gérées. Oui, nous on a on a on a des réseaux de protection de nos forêts, notamment du Sud-Ouest et du Sud-Est, qui sont très importants. Hein. On a des, des mmh. brigades de défense contre, des défense contre les incendies. On a des organisations qui sont historiques depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été installées notamment dans le massif mmh. landais. Vous savez quand même que chaque année, il oui, y, y, oui. y a des feux. Oui, il qui... y a des feux, mais mmh. des feux qu'on mmh. maîtrise. Voilà. Oui, il y a des feux. Vous savez, la forêt méditerranéenne, c'est une forêt qui. C'est une forêt qui est constituée pour vivre avec le feu. Le feu dans la forêt méditerranéenne, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. La, la végétation forestière oui, les méditerranéenne, exemple, oui, le pain, euh, enfin, les pins maritimes sont. Euh, le chêne-liège chêne est, un, est une naissance qui s'est construite pour se protéger du feu. Quand un feu passe, le, le, chêne, le liège autour du chêne protège le, protège, le, le chêne qui repart quelques, quelques mois ça, après. Ça Et moi, je l'ai vu sur le Massif des Morts où j'ai longtemps travaillé sur les incendies de forêt. Euh, vous avez une forêt. Le problème, c'est d'éviter que la fréquence soit trop forte. Évidemment, de protéger les habitations avec euh, toutes les questions de savoir où on construit. Enfin, ça c'est comme les inondations, voilà. Donc, vous pensez que nous avons des structures de protection suffisamment fortes pour ah éviter bah, un drame du style Australie au, Oui, enfin, aujourd'hui, euh, notre, dans notre pays, nous avons des organisations, que ce soit du côté des pompiers, du côté de l'Office national des forêts, du côté des propriétaires privés, des organisations qui sont importantes. On a pour notre groupe, un dispositif d'assurance forestière, notamment incendie, tempête et responsabilité civile. Donc on couvre une partie du, pat du patrimoine forestier. Peut-être la difficulté, c'est plutôt au nord de la France, où on a peut-être moins de structures aujourd'hui euh, de lutte contre les incendies. Et la ligne d'incendie risque de remonter avec le changement climatique. Donc il faut être attentif, sans doute, sur euh, les conséquences d'incendies de, dans des forêts. Euh, euh, plus au nord euh, que celle qu'on a l'habitude de voir brûler euh, régulièrement. Et, et notamment à Fontainebleau, par exemple, euh, on a, euh, qui est une forêt absolument extraordinaire, on a des dispositifs de, de protection qui existent. Enfin, pourquoi extraordinaire a... Fontainebleau ah, la, Fontainebleau, c'est la, la forêt des superlatifs. Et Tout y est magnifique bah, en termes de préservation, en termes de production, en, en enfin, termes d'accueil du public. C'est un, un des monuments les plus visités d'Ile-de-France, la forêt de Fontainebleau. Donc, euh, donc là on a des dispositifs qui étaient avant avec des, avec des systèmes d'alerte notamment maintenant de plus en plus avec téléphone portable, puisque les, les, les visiteurs participent oui. eux-mêmes oui. à, la, à la défense contre les incendies. Enfin, voilà. donc on a... que vous ne croyez pas que si j'avais invité il y a quelques jours, euh, le responsable, juste avant les incendies en Australie, le responsable des forêts australiennes, il m'aurait dit on est formidable, on a les téléphones portables, non, mais nous, on, non, on a mais tout mais ça, Oui, c'est très différent. Oui, a très très différent. Puis France, a, et puis, puis, il suffit de regarder la densité ouais, dans ouais. l'organisation de nos services, qui est quand même très important. Enfin, moi, j'ai vécu en tant que directeur général de l'Office national des forêts, je suis plusieurs fois allé voir nos équipes qui sont sur le terrain, dans le sud-est, sud notamment. Euh, très honnêtement, le territoire est couvert. Alors, évidemment, on... Les effets du changement climatique, les périodes de sécheresse successives, euh, les fortes chaleurs, comme on a pu les connaître notamment à l'été dernier, accroissent le niveau de risque, c'est certain, et donc posent des questions en termes de moyens et de capacité à réagir. Mais pour autant, il serait vraiment très erroné de dire aujourd'hui que nous ne sommes pas organisés pour faire face aux incendies de forêt. Après, évidemment, il y a toujours le phénomène un peu exceptionnel qui peut arriver, mais globalement, depuis des années, notre pays s'est organisé, mais c'est vrai que le changement climatique, c'est vrai que les périodes successives de, anticiper, de sécheresse Exigent anticipées, comme d'ailleurs sur la gestion. Aujourd'hui, aujourd on a des problèmes d'incendie, mais on a aussi des problèmes de, de ce qu'on appelle des scolites, c'est-à-dire des coléoptères qui viennent aujourd'hui euh, détruire notre patrimoine forestier, notamment dans l'Est de la France, et qui nous préoccupent énormément et qui là euh, euh, conduisent au dessèchement d'un certain nombre d'arbres, de, d'essence, et qui les menacent, qui en menacent même l'existence. À certains endroits. Donc, on a des questions absolument fondamentales. Et là, euh, et là, le rôle de l'État est absolument déterminant dans sa capacité à accompagner les, la filière à euh, renouveler et à travailler sur, euh, sur cette perspective de renouvellement, euh, d'implantation de, de nouvelles essences. Euh, on, on a les éléments techniques et on y travaille. Euh, il faut effectivement y mettre aussi quelques moyens financiers. Merci, Pascal Vinet. Merci. Une forêt peut en cacher une autre, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Eric Donnet. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Euh, directeur général du groupe AMA Immobilier. Ça veut dire que vous gérez un parc immobilier en placement. Euh, à la fois donc euh, des logements et en même temps euh, des, 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 de l'immobilier euh, public éventuellement, ou l'immobilier euh, d'entreprise. Ouais. Euh, Laurent Pierremont, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes docteur en écologie, vous, êtes, euh, vous avez été président de la société forestière de la Caisse des dépôts, vous avez été président de, du Fonds carbone européen, et vous êtes l'auteur de deux livres, « L'énergie verte euh, » publié au Seuil, et agir avec la nature, publié au seuil. Je vais commencer par vous sur une question vraiment décisive, qui est la question du changement climatique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce mécanisme qui donne un tel rôle à la forêt et qui fait que, justement, la forêt est d'abord, au fond, un lieu capital de préservation du climat Alors, il y, a, euh, il, y a deux, il y a deux mécanismes, euh, deux points à voir. D'une part, euh, l'humanité... Euh, a décidé euh, ou n'a pas décidé de, de faire faire aux écosystèmes forestiers en, en un siècle à peu près le genre d'évolution qu'ils sont habitués à faire en 10 000 ans. Ça ne pourra pas se faire sans désordre. En d'autres termes, vous, vous, vous plantez des arbres aujourd'hui en espérant les récolter dans un siècle, euh, mais en un, dans un siècle ou dans 50 ans, le climat aura changé, ils ne seront plus adaptés au climat qui régnait lorsqu'ils ont été plantés. Donc c'est une, une, une équation assez compliquée à, à traiter. Et en même temps, cette forêt qui est menacée par le changement climatique, est une des solutions, une des, une des réponses possibles aux, aux, aux dits changements climatiques, du fait de la séquestration de CO2. Et vous savez que l'une un, des grandes décisions de la COP21, de la Conférence climatique de Paris, euh, a été, au fond, de dire qu'en en entre 2050 et 2100, l'humanité ne devait pas émettre plus de CO2 que la biosphère, c'est-à-dire la planète, n'était capable d'en absorber. Et c'est c'est une, une, une décision qui ne va pas être facile à, 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 à mettre en œuvre. Beaucoup mais, ont dit que c'était des mots pieux. <coughs> hein, Vœux pieux, oui, -pieux peut-être. Peut-être. Je n'en ne, je suis pas sûr d'abord. Et d'autre part, c'est la première fois que l'humanité, réunie par, autour de ses représentants, établit un lien entre son activité et la biosphère, dont nous faisons partie, évidemment, en tant qu'être humain mais, mais aussi en tant qu'animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Donet Est-ce que vous avez l'impression que cette question est suffisamment prise en, en compte, d'une part par les pouvoirs publics et d'autre part par les entreprises le, La question euh, du changement climatique et, et son intégration par les pouvoirs publics et l'entreprise, elle, elle, elle s'insère, je pense que Pascal Vinet l'a dit dans la première partie de l'émission, dans une réflexion autour des équilibres. On rappellera aujourd'hui que, sur la planète, les, les forêts, c'est le, le deuxième puits de carbone derrière les océans. Donc euh, bien évidemment qu'on est soucieux de ce puits de carbone, euh, de cette réflexion. Il y a une thématique autour de la forêt et il y a une thématique, on va dire, euh, qui est partagée sociétale autour de l'arbre. Puisqu'en fait, on voit qu'on euh, doit préserver l'équilibre au sein des forêts parce que c'est un puits de carbone. Et on veut retrouver finalement, nous qui vivons euh, euh, avec un nombre d'habitants qui était croissant dans des zones urbaines, avec des zones urbaines qui veulent aussi euh, finalement voir et revoir la nature en ville. Euh, et qui touche 80% des populations. Donc, Alors, justement, euh... est-ce que c'est efficace, ces arbres en ville euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Pierre-Mont Parce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que tous les partis écologiques, à l'occasion de n'importe quel type d'élection, euh, disent euh, voilà, on va construire des arbres en ville. Euh, est-ce qu'un arbre comme ça, tout seul, en ville, ça a du sens sur le plan climatique Est-ce que c'est utile, vraiment utile Bon, euh, le, le sujet là, c'est la question de la relation entre la, entre la ville, entre la ville et la nature, entre la ville et la biodiversité, l'insertion de la ville dans, dans les écosystèmes à nouveau. Je vous rappelle que. que que d'après l'ONU près de 70 de l'humanité vivra en ville en 2050 contre quelques pourcents il y a qui est des arbres dans les villes. Donc, donc non mais donc, la, la réponse au fond c'est l'intégration biodiversité ville, mmh. c'est la création de corridors écologiques, ce qui s'est fait sur le, le ce qui va se faire sur le village olympique, c'est la c'est l'insertion euh, c'est création d'infrastructures verte, l'insertion de encore une fois ville nature. Donc dans ce cadre-là je pense profondément que euh, ce, tout ce qu'on appelle ces, ces infrastructures vertes, c'est-à-dire les arbres, les terrasses végétalisées, l'agriculture urbaine, constitue un ensemble qui, va à la fois, euh, qui est à la fois susceptible d'atténuer un peu le changement climatique. Ce n'est pas que symbolique, donc. Et ce n'est pas que symbolique. Vous pouvez obtenir par des plantations des, des, des véritables effets de lutte contre les îlots de chaleur de plusieurs, de plusieurs degrés. De baisse de la température. Donc, bien, euh, si vous plantez un arbre, euh, ça n'aura pas un gros effet, mais retenez par exemple le chiffre euh, un arbre adulte peut transpirer jusqu'à 200 litres d'eau par jour, qui s'évapore avec la réduction de température que ça représente. C'est un effet, bon, euh, et pas besoin de citer un chiffre, toute personne qui s'est mise à l'ombre d'un arbre pendant l'été sait ouais. que ça a un effet sur le climat. Et si vous mettez 1000 arbres, vous aurez 1000 fois plus d'effet sur, sur votre climat local. Donc, oui, oui. C'est une bonne solution. Bien, alors donc en fait, on peut, on peut dire que euh, quelque végétalisation que ce soit, euh, c'est positif Ou bien est ce qu'il y a des végétalisations qui, franchement, n'apportent pas grand-chose Bon, évidemment, il faut s'intégrer. Il il, encore une fois, intégration avec l'écosystème, espèces euh, indigènes, euh, euh, considérer euh, l'ensemble des, 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 des éléments naturels qui, qui jouent dans cette affaire. Il y a des effets de, de, économiques. Par exemple, nous pouvons mettre des terrasses végétalisées euh, sur les toits euh, pour des prix euh, très élevés ou moins élevés. Donc il y a des choix à faire. Je, n, je ne pense pas que toute végétation soit bonne. Je pense qu'elle doit être étudiée dans son écosystème, dans le respect de la vie sauvage qui, qui, qui est impactée par, les, par, la, par la présence des vignes, en évitant par exemple les éclairages nocturnes trop élevés, en, en évitant des, des essences qui viendraient perturber la vie, la vie, la vie sauvage. Bon. Globalement, dans le cadre d'un plan de gestion bien étudié, en concertation avec la population, avec les habitants, avec les organisations non gouvernementales, et en évitant l'anecdote, en évitant l'anecdote, je crois profondément que la, que, la, que la réintroduction de la nature en ville a un double effet d'atténuation du changement climatique, tout simplement par le stockage de carbone, et d'atténuation des effets du changement par les effets climatiques paysager, culturel, etc. Donc, euh, je, vote, je vote pour. Et... Regardons-le, en fait, Antoine aussi, euh, dans ce que précise euh, Laurent, avec, euh, on va dire, une, une inversion de tendance. Aujourd'hui, on, on remet une végétation, on remet l'arbre en ville. Et de la même façon, ce qu'indiquait Laurent, c'est qu'on doit aujourd'hui se poser la question des essences dans nos forêts, de ce qu'on doit planter. Pour un siècle ou pour 50 ans, ou pour une révolution pour des résineux de, de 15-20 ans. Alors et en fait, on va y revenir. On, va y revenir on, a, mais... on a un enjeu clair aussi de, de l'essence et des essences que l'on choisit dans nos forêts pour alimenter finalement notre univers et notre, y compris notre urbanisme de demain. Alors justement, c'est en fait, la filière y a, bois. J'ai touché à une voilà. question essentielle qui est la question de la filière bois. Euh, en fait, est-ce que cette filière bois est en train de se transformer est-ce que vous avez l'impression que il se passe quelque chose du point de vue de la construction en bois qui est neuf mmh. euh, Et au fond, euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'affection d'un certain nombre de nos concitoyens pour des maisons en bois, pour des constructions en bois. Et on commence à se dire que voilà, le bois. Alors, est-ce que c'est seulement un effet bobo On va, voir, franchement. Hein, <laughs> ou bien est-ce que vous avez l'impression que c'est une évolution très importante qui concerne la société tout entière Alors, Je vais répondre, c'est absolument pas un effet bobo. Il y a une. Euh... Il y a une vraie réflexion de fond, une transformation qui est en train de s'opérer, mais qui revêt euh, des, des enjeux de transformation euh, très importants. Euh, la première chose, je pense qu'il faut quand même rappeler aussi, euh, en France, la filière bois s'emploie 425 000 collaborateurs, 425 000 salariés. La filière automobile en France, c'est un peu moins de 300 000 salariés. C'est-à-dire que la filière bois en France représente plus d'emplois que la filière automobile. C'est pas connu de beaucoup de nos concitoyens. Alors pourquoi faut-il construire en bois Et il y a un enjeu effectivement autour de la construction bois qui est aujourd'hui très largement insuffisante, puisqu'en fait dans le bâtiment aujourd'hui, la construction bois, c'est moins de 3% du chiffre d'affaires de la filière de construction en France. Et c'est essentiellement une présence qui s'opère au travers du logement et du logement individuel. Très peu en logement collectif et une production quasi nulle pour ce qui est de l'immobilier d'entreprise ou de l'immobilier commercial. Euh... On a très clairement privilégié depuis de très nombreuses années en France la filière béton. Et donc on construit en béton, alors qu'effectivement aujourd'hui on redécouvre les bénéfices d'une filière bois. Quels qu sont les freins à la construction en bois pour que ce soit que 3% de... Je la pense qu'aujourd'hui, euh, je l'ai dit, on a aujourd'hui une filière qui emploie 425 000 personnes en France sur la filière bois, mais qui sont essentiellement concentrées en fait, euh, non pas sur la production dans, dans l'univers des forêts, mais sur la transformation du bois, là où on transforme pour créer euh, des meubles, créer euh, finalement du papier, du cartonnage, etc. Et sur la filière dite de maîtrise d'œuvre, qui est celle qui euh, emploie finalement euh, euh, dans la menuiserie, dans la charpente. On a en France, dans la transformation et dans l'univers de la production, une forme de déperdition, puisque je rappelle qu'en 1964 en France on comptait 15 000 séries, aujourd'hui on en compte moins de 1 500. On a une vraie problématique, un peu schizophrène, autour des forêts en France, de veut-on ou accepte-t-on que ces forêts soient et demeurent des forêts de production ou est-ce qu'on veut une forêt euh, contemplative Donc euh, on est tous autour un petit peu de ce raisonnement ou de ce schéma. On nous demande effectivement euh, d'avoir des forêts qui restent bien entretenues, maintenues, exploitées. Mais on a une filière qui effectivement en France se pose des interrogations multiples autour de son exploitation et donc euh, du bois. Aujourd'hui, c'est vrai une filière bois, elle a déjà un problème en France, c'est que le territoire... Pour les deux tiers, ce sont des forêts de feuillus et pour un tiers des forêts de résineux. Alors justement. Et la production C'est du résineux. Il faut partir du, du résineux. C'est du résineux puisque la demande aujourd'hui dans la filière bois, c'est effectivement euh, du résineux. Alors c'est même plus ah. que ça. Je crois que c'est 75 de feuillus et 25 de résineux. Alors dans oui. la forêt. Oui. Or, il faut du résineux pour construire. Oui. Alors ça signifie qu'il faut changer la structure de la forêt française et faire que la forêt française ait plus de résineux. Ou est-ce que vous pensez que, avec ce qu'il y a comme résineux aujourd'hui, on pourrait développer largement la voilà, Aujourd'hui, de toute façon, le changement climatique qu'on a effectivement commenté tout à l'heure nous impose de revoir les essences que l'on plante, nous impose aussi par la, la séquence, les tempêtes que l'on peut vivre. Aujourd'hui, des arbres hein, qui ont plus de 10 à 12 mètres de hauteur, ils sont aussi euh, beaucoup euh, exposés hein, au risque de tempête et donc euh, touchés, affectés euh, par euh, la puissance des vents. Hein. Aujourd'hui, on a des puissances de vent. Euh, qu'on n'avait jamais imaginé auparavant, hein, y compris euh, avec des, des fronts d'orage qui dépassent parfois les 300 km/h. Donc, euh, je, je dis pas effectivement euh, en France, 300 en France euh, sur des fronts d'orage, ça peut arriver. Bon. Mais euh, là, on l'a vu avec les, les, les tempêtes Nice, avec des orages ou en tout cas des, des pluies, des tempêtes à plus de 140 km/h. On a ah. effectivement des forêts qui peuvent être affectées, et donc ça pousse à avoir de toute façon des révolutions et euh, des coupes. Qui sont beaucoup plus euh, effectivement raccourcis que ce qu'on avait à l'époque. Alors est-ce qu'on euh, se réoriente vers le résineux Et donc on se réoriente mécaniquement vers le résineux puisque l'essentiel des forêts de production en France euh, c'est autour du pin sylvestre et du pain maritime et c'est ce que nous demande aussi euh, une partie de la production mais pas que tout est en, tout va être effectivement dans une bonne question des équilibres. Et on le voit, y compris dans les pays scandinaves, en Suède ou en Finlande, ils ont trouvé des équilibres où euh, on n'a on 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 pas une constitution, une filière bois qu'autour des forêts de résineux. Dire, les, les forêts de feuillus euh, ont tout à fait leur place. – Mais là, on est en contradiction totale avec euh, le désir moyen euh, de nos concitoyens qui préfèrent quand même le feuillu au résineux, non Pierre mont Bon, alors, d'abord, le, le, le grand enjeu est un enjeu écologique. Euh, le bois, c'est une ressource renouvelable qui évite de consommer des ressources fossiles. Donc, écomatériaux, grand 1. Grand 2, c'est là que se stocke le CO2. C'est-à-dire que, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, un mètre cube de bois, une tonne de CO2, une maison, 10 tonnes de CO2 à 20 tonnes de CO2, selon la, la, la quantité de bois qu'on utilise. Bon. Deuxième, deuxième grand enjeu, la gestion durable. C'est-à-dire que, pour séquestrer le bois, pour le mettre dans des maisons, il faut couper les arbres, et Pascal Vinet tout à l'heure a dit quelles étaient le, les questions de, 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 de sensibilité que ça pouvait poser. Bon. Gestion durable. Ordonnance de Brunois. Euh, lorsque je coupe des arbres, je replante. Ensuite, nous avons en France une forêt qui, qui est, comme vous l'avez dit, est principalement euh, feuillue et euh, une demande qui est principalement, qui est beaucoup résineuse. Euh, – Il me semble que le grand enjeu, le grand enjeu, c'est d'agir résolument, et je pense que les, le secteur financier a un rôle à jouer là-dedans, pour promouvoir une filière de construction feuillue euh, française, enfin française et, ou européenne. Hein, bah. – C'est possible, c'est une filière de construction ouais, feuillue ?– C'est possible Antoine, je, je, on, on l'expérimente, et euh, Laurent le, le citait tout à l'heure… Euh, Autour de, de la construction euh, du futur village des athlètes pour les Jeux Olympiques de, de 2024 à Paris, où très clairement, euh, ce qu'on a imaginé, d'ailleurs en partenariat avec la Caisse des dépôts, avec CDC Habitat, c'est de construire un écoquartier à Saint-Ouen-sur-Seine, et qui va se faire euh, essentiellement à partir de feuillus euh, en provenance de forêts françaises, et sur effectivement euh, un village des athlètes qui va être. Euh, constitué, bâti autour du bois, mais également dans un environnement avec des, un apport de substrat, un renouvellement des sols et des plantations nouvelles qui vont faire qu'on va allier à la fois une construction bois et un environnement finalement assez euh, végétal, forestier. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est un, un enjeu où, vous me posiez tout à l'heure la question, on, a, euh, on redécouvre en fait les vertus du bois. Euh, c'est un peu contre-intuitif, mais ce qui a aujourd'hui beaucoup limité les constructions bois en France, c'est qu'on a encore un cliché euh, autour euh, de la maison brûle. Euh, c'est pourtant un matériau qui a une résistance au feu incroyable, même s'il est combustible, mais il a, il a en fait une transmission en termes de combustion 12 fois inférieure à celle du béton. C'est un isolant parfait le bois. Donc, euh, il a des qualités thermiques, hygrothermiques euh, exceptionnelles. Euh, il permet une agilité, une liberté architecturale, avec des porte-à-faux, avec euh, la capacité finalement de créer, oui, avec une vraie création architecturale libre, euh, sans contrainte, euh, comme on peut le vivre avec euh, des éléments béton euh, lorsqu'on procède à des grandes constructions. Euh, mais par contre, euh, en France, notamment, la construction, elle est régie par un comité scientifique, hein, le CSTB, le Comité scientifique et technique du bâtiment, euh, qui très clairement a mis... Euh, euh, le bois comme étant euh, matériau non standard. Donc à chaque fois qu'on veut réaliser une construction bois, on doit aller voir le CSTB en France et lui demander en fait de nous donner ce qu'on appelle un ATEX, c'est-à-dire que chaque construction, qui n'est pas une construction de maison individuelle, on doit avoir une autorisation d'expérimentation. Ça coûte très cher d'obtenir un ATEX Et Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il n'y a pas de transformation du bois en France en suffisante quantité C'est-à-dire qu'on n'est pas, au fond, attentif à cette question de la transformation du bois Non, Laurent pierre ben, ben, Nous y sommes sans doute attentifs. Alors, la bonne nouvelle, c'est tout de même que la, 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 la France est exportatrice de, de, de bois. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est surtout exportatrice de bois euh, brut, voilà, de non, grume… – transformé. Et, et non transformé. Bon.

peut en cacher une autre, troisième partie. Notre grand témoin est Martine Chalvet. Bonsoir Martine Chalvet, vous êtes une historienne au fond des forêts et vous avez publié une histoire des forêts aux éditions du Seuil. Vous êtes maître de conférence à l'Université de la Méditerranée, spécialiste de l'histoire des paysages, c'est l'université d'Aix-Marseille, et vous aviez fait votre thèse sur l'invention de la forêt méditerranéenne du XVIIIe siècle à 1960. Alors je voudrais commencer par l'image qu'on a de la forêt. C'est-à-dire l'image qu'on a de la forêt est très différente de tout ce qu'on a traité jusqu'ici. On a beaucoup parlé production de la forêt, on a beaucoup parlé euh, au fond d'utilisation économique de la forêt, même du gibier. Mais l'idée qu'on a est un peu différente. Quand on se promène dans la forêt, c'est la forêt mystérieuse, la forêt ancestrale, la forêt sauvage. Et, et au fond, c'est d'abord de ça que vous partez, non Oui. Euh, bonsoir. Euh, en effet, hein, euh, la forêt. Euh transporte tout un imaginaire, tout un imaginaire qui nous porte, et j'ai l'habitude souvent de demander aux étudiants ou aux gens que je, je rencontre de leur poser une question d'évocation. Si je vous dis le mot forêt, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Quels sont les mots, les expressions qui vous viennent à l'esprit Vous pouvez tous le faire, et en général, ça va être nature, ça va être vert, ça va être euh, arbre, ça va être, ou alors des pratiques sociales, en effet, mmh. promenade, loisirs. Euh, mais d'une manière générale, il n'y aura jamais tronçonneuse ou il n'y aura jamais <laughs> bois de chauffage. Pas. Ou, voilà. Donc, en fait, notre imaginaire sur la forêt est lié au fait que nous y voyons la nature et euh, le plus souvent, une nature qui serait euh, en dehors de toute action de l'homme, une nature que l'on voit comme sauvage, alors que euh, dans les faits, euh, il y a euh, au cours du temps sans cesse eu une interaction entre les actions euh, des hommes et euh, les différents éléments de écosy des écosystèmes. Alors présents. le mot sauvage est très important parce qu'il vient au fond de l'étymologie de la forêt, ça vient de silva. Silva c'est sauvage, en fait ça a fait, ça a fait sauvage. Et euh, on peut dire que cette sauvagerie de la forêt, c'est quand même la première impression qu'on a. Oui c'est en, en tant que promeneur vous voulez dire euh, euh, peut-être euh, oui oui oui, en... oui. après cela dépend aussi euh, en France des régions euh, puisque les forêts sont vraiment euh, extrêmement différentes selon les, les, les régions alors en effet on va avoir parfois hein, la, la, la sensation qu'il n'y a pas d'hommes euh, dans ces euh, forêts, que ce sont des arbres, que ce sont des animaux, que ce sont... voilà Après, on peut avoir aussi euh, euh, la présence de l'homme euh, avec euh, des, des forêts qui sont exploitées, des sentiers pour la promenade, des forêts qui sont protégées aussi. Moi, j'habite une région euh, donc, euh, dans le sud de la France où il y a des incendies. Et donc, on voit aussi euh, euh, tous le, les aménagements de protection des, des bois. Alors, Patrick, tu dois ce, alors, ce qui est intéressant dans, nos, dans votre livre, et qui est d'ailleurs passionnant, hein, une histoire de la forêt, donc euh, parue au seuil, eh c'est que vous, vous dites bien que la main de l'homme a été présente très très tôt, finalement, à la forêt, et que la forêt, dite originelle ou naturelle, ne l'est pas tant que ça, au fond. Et, et vous expliquez euh, que pendant très longtemps, la frontière qui nous parut aujourd'hui naturelle entre la guerre et la silva, la guerre, c'est-à-dire la partie réservée à l'agriculture, aux cultures, et la silva ou le saltus, il faudrait peut-être définir ce qu'est le saltus, hein, qui est un entre-deux, euh, a été assez flou, et, euh, mais très 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 tôt, le déboisement a été perçu comme une victoire de la civilisation sur le, la sauvagerie de, de la nature, et euh, pendant très longtemps, euh, cette, euh, cette vision-là a été dominante. Oui. Déjà clair. chez les Romains, par exemple. Oui, tout à fait. Euh, en fait. Euh il y a une perception qui est relativement particulière dans le monde occidental et notamment en Europe, hein, que l'on ne retrouve pas, à mon avis, euh, dans d'autres types de civilisations. Il y a cette séparation oui. homme-nature, euh, avec d'un côté euh, ce qui serait du domaine de la culture, et d'ailleurs dans tous les sens du terme, et euh, de l'autre côté ce qui serait du domaine de la nature, euh, et donc il y aurait comme une sorte de séparation entre les deux domaines, avec l'idée aussi, euh, dans notre civilisation occidentale, d'une forme d'anthropocentrisme, oui. c'est-à-dire que euh, l'homme euh, serait placé au centre et dominerait cette nature, interviendrait. C'est hein, Descartes, hein, l'homme se fait voilà. maître et possesseur oui. de la nature, donc il le credo qui a perduré, on le sait très longtemps, hein, et mm. encore aujourd'hui. Hein. Tout à fait, mais avant même des cartes, hein, on oui, retrouve sûr. cette idée euh, déjà chez, hein, les, chez, les, latins, hein, chez euh... les Romains, oui, oui. Euh, voilà. Euh, donc on est euh, dans, dans, à la fois dans, dans cette séparation euh, nature-culture oui. et en même temps avec euh, des jeux en fait euh, dans euh, cette euh, séparation, avec tantôt la valorisation de ce qui serait le contrôle de la nature par l'homme. Oui. Tantôt, au contraire, euh, la valorisation de la nature, laissée à elle-même, sans intervention de l'homme, qui est vue comme un élément qui dénaturerait, en fait, euh, cette nature. Et donc, euh, il y a des jeux euh, de mépris-valorisation euh, qui peuvent, euh, selon les périodes, hein, se succéder, mais qui peuvent aussi coexister dans une même période. – Martine Chalvet, alors, euh, euh, on a fait un petit, un petit schéma graphique, là, qui d'une certaine façon résume de façon scandaleuse votre livre, puisque c'est 15 000 ans d'histoire forestière en France. Euh, alors ce petit schéma là, euh, vous allez me l'expliquer, me le commenter. En fait, il montre, si je comprends bien, que au fur et à mesure que la population augmente, on a eu quand même euh, une situation où euh, la forêt a diminué. Euh, avant de réaugmenter dans, euh, au fond, les, derniers, les, les dernières décennies. Euh, comment expliquer cette situation et comment, euh, au fond, euh, raconteriez-vous euh, toute la synthèse de votre livre avec ce schéma alors, vous me posez une question euh, complexe pour euh, tout, tout synthétiser, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, tout d'abord, je, je voudrais euh, prévenir qu'il faut faire attention. Euh, le titre, par exemple, 15 000 ans d'histoire forestière s'applique à la France, la France bien, bien entendu. Bien oui, bien on aurait un tout autre schéma hein, oui. si euh, on, on prenait oui. d'autres types de forêts. D'autre part, il faut bien faire attention aussi euh, euh, aux échelles. Il y a des jeux d'échelles pour tout faire rentrer dans le, dans le schéma. Entendu, Donc en oui. fait, cela fait grossir certains phénomènes hein, comme la très forte augmentation hein, des, des surfaces forestières euh, au moment de la, la reconquête forestière post-glaciaire ou autre. Ce, cela dit, hein, euh, ce schéma euh, est vraiment très intéressant puisque en effet, hein, euh, en… Euh, un, un, une image, hein, il retrace toute notre histoire. Alors, euh, il me paraît aussi intéressant de voir hein, euh, cette évolution des surfaces forestières en lien avec les causes euh, qui sont mises en place euh, en haut hein, ou au milieu du schéma. En effet, si on regarde, hein, on a la reconquête forestière post-glaciaire. Donc là, un moment où les hommes n'ont hein, pas une intervention déterminante sur les ouais. surfaces forestières. Mmh. Et donc on voit bien que les surfaces forestières bougent aussi euh, en fonction d'éléments qui sont des éléments euh, climatiques. Non hein, non et, non voilà, c'est ça, notre empique. Et que donc la forêt est bien un écosystème complexe, oui. avec à la fois des interventions, enfin des interactions, des différents éléments du milieu, climat, eau, sol, mais aussi en interaction avec d'autres euh, éléments, les organismes vivants qui sont eux-mêmes en, en interaction entre eux qui peuvent être ben, les végétaux, bien entendu, les animaux, on en parlait euh, tout à l'heure, hein, avec euh, la, la chasse, notamment, euh, euh, et puis aussi les micro-organismes, sans oublier les hommes, et ce schéma nous montre bien hein, euh, euh, toute l'importance qu'ont joué euh, les sociétés hein, dans euh, ces mouvements euh, de bois. Et alors, ce qui est intéressant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est cette courbe de population, puisque on voit bien hein, le lien, euh, on a… Euh, en parallèle d'une augmentation de la population, euh, une diminution des surfaces forestières, en tout cas dans les sociétés pré-industrielles. Et on en a l'explication euh, en haut. Euh, quand il y a euh, une augmentation de la population, on voit augmenter des défrichements, on voit euh, augmenter hein, euh, des, euh, une exploitation du bois. Tout simplement parce que dans ces sociétés-là, euh, la productivité n'est pas très très élevée. Le seul moyen de produire plus, eh c'est de gagner sur les bois. Donc on va défricher pour faire de l'agriculture, on va défricher pour faire du pâturage. Et puis, on va couper plus de bois pour les constructions, etc. etc. Donc, à chaque fois qu'il y a tout plus de monde... Depuis l'année 0 jusqu'à l'année 1800. C'est-à-dire que, grosso modo, quand même, on voit euh, baisser de 0 à 1800 la, super la superficie forestière, alors qu'augmente euh, la population. Et puis, à partir de 1800, euh, à peu près, quoi, il euh, y a quelque chose qui se passe et qui est l'augmentation. Moi, je veux que vous m'expliquiez comment ouais. se fait ce changement. Ce changement des mentalités. Parce que ça bat en brèche quand même un 1800. certain nombre de clichés, là. Hein. Avec l'augmentation de la surface ouais. des forêts. Et oui. À partir Tout de à 1800. Oui. Alors, vous avez euh, raison, hein, on pourrait penser. Euh, que justement il y aurait un lien entre cette régression des surfaces forestières et ce que l'on a coutume d'appeler le progrès, par exemple. Euh, et donc, on a dans l'idée, euh, notamment avec ce que l'on voit, hein, vous en parliez tout à l'heure, euh, sur la forêt euh, brésilienne hein, ou autre, on a dans l'idée que plus l'homme euh, acquiert des techniques, plus il va euh, diminuer les surfaces forestières et il va exploiter le bois. Et là, clairement, sur ce schéma, euh, cela ne, ne colle pas puisque l'on voit en pleine industrialisation, le 19e siècle, hein, en pleine grande période de progrès, on voit au contraire euh, voilà, hein, oui. qu'on a une augmentation des surfaces forestières. Alors pourquoi Alors il me semble que le, le schéma le montre bien, hein, il y a euh, deux raisons. Tout d'abord euh, justement avec ces progrès. Euh, dans l'agriculture, dans l'industrie, euh, dans le pastoralisme, on a une augmentation de la productivité. Donc on n'a euh, plus besoin euh, de défricher, on n'a plus besoin d'autant de surface pour produire plus. Mmh. Donc euh, il va y avoir abandon des terres les moins productives. Puisqu'avec les engrais, on produit plus sur moins de terre. Il va y avoir aussi de nouvelles techniques de pastoralisme, notamment on va euh, élever les animaux euh, à l'étable, on ne va plus les lâcher en forêt. Donc tout cela euh, va transformer en fait les pratiques de production. Si on ajoute l'exode rural, si on ajoute de euh, nouvelles euh, sources énergétiques, comme euh, le charbon, oui, puis plus tard toutes Et les autres. Le si on ajoute euh, également, euh, donc, donc l'exode rural, je vous en avais parlé, si on ajoute également pour le bois d'œuvre de euh, nouveaux matériaux, hein, euh, métal, euh, béton, euh, par la suite, donc du coup, la pression sur les bois. Et moindre et il moindre. Et y, y a aussi une prise de conscience c'est à cette époque hein, au début de la révolution industrielle en 1825 par exemple qui est créée l'école nationale des eaux et forêts donc une prise de conscience de, de, de la, la nécessité de gérer tout cela le code forestier de 1827 donc là il y a quand même quelque chose qui va dans, dans le sens justement d'une protection de la forêt et euh, d'une évolution positive à l'ordre de là la... tout à fait alors euh, cette euh, idée qu'il faut protéger la forêt, hein, on le voit aussi bien sur le, le schéma, est ancienne. Hein. Euh, comme oui. l'a dit Pascal Vinet tout à l'heure, hein, euh, dès l'époque médiévale, ah oui. hein, on a des droits d'usage, on a toute une législation siècle, hein, hein, vu, hein, pour ouais. protéger euh, mm -hmm. ces bois. Puisque vous l'avez compris, euh, le bois est vital. Euh, le chauffage, la construction, euh, c'est euh, un... <laughs> Une ressource vitale, aussi bien euh, d'un point de vue économique que d'un point de vue social que d'un point de vue politique aussi, puisque euh, le bois euh, permet hein, de euh, fabriquer des canons, le bois c'est la marine, donc là aussi il y a un enjeu sur la guerre. Donc il y a toujours eu cette volonté à la fois d'exploiter la ressource, mais sans euh, l'exploiter trop, donc de la protéger. À partir du XVIIIe siècle et au 19e siècle, il y a le début d'un discours pré-écologique. On pourrait appeler un discours pré-écologique avec l'idée que euh, peut-être hein, euh, il faut respecter des équilibres. Euh, Pascal Vinet en a beaucoup parlé, des équilibres dans euh, la forêt, et que si l'on ne respecte pas ces équilibres, cela risque de provoquer des inondations, des glissements de terrain, etc., etc. Donc, il y a aussi euh, euh, de nouvelles idées qui sont euh, mises en avant, et notamment l'idée de reboiser. Ouais. Euh, le reboisement des montagnes, là, je vois hein, sur euh, le, le schéma, euh, qui est lancé dès euh, le XIXe siècle. Hein, et fin XIXe, hein, on a déjà euh, et sous des ce reboisements. Campagne, oui, on peut penser voilà. aussi au Land de Gascogne, par au, exemple, au la, la Sologne. Hein, C'est ouais. vraiment là, mmh. le début de la renaissance de ces, ces paysages-là. – Tout à fait, donc voilà une, une autre euh, explication aussi à ce, ce regain de surface forestière, hein. non seulement il y a l'abandon euh, d'une exploitation euh, ancienne qui, était, euh, qui faisait reculer les, les surfaces forestières, mais il y a aussi euh, des reboisements, reboisements euh, en montagne, et reboisements, vous parliez des Landes, hein, oui, oui. Euh, justement on en voit vraiment le, le, le résultat, hein, des, des plus gros massifs forestiers que, en Europe. – ce que finalement ce virage… Euh, début 19e, ne se fait pas avec euh, l'image idéalisée de la forêt, euh, bon, telle qu'elle a été avancée par quelqu'un comme Eugène Leroy, euh, avec euh, euh, d'une certaine façon cette idée que euh, la forêt c'est le symbole de la liberté, la forêt c'est le symbole de la beauté, et au fond là on, on va retrouver oui, tout oui. le romantisme. Une, une, une ce que le romantisme j'ai parlé tout à l'heure du oui, romantisme, tout ce que le romantisme amène par rapport aux forêts. Oui. Alors, est-ce que c'est pas ça qui explique, enfin, qui peut expliquer idéologiquement aussi cette espèce de transformation extraordinaire qui fait qu'on recommence à augmenter la forêt à partir d'un certain moment Alors. Euh... Là, on est du côté je, de l'imagerie. Dirais... Euh, oui, oui. Euh, dans dans, euh, dans, dans l'imagerie, oui, hein, puisque vous venez parler tous hein. les deux euh, du mouvement romantique. Mmh. Et en effet, hein, il y a cet idéal, justement, de la nature sauvage, mmh. Hein, mmh. Euh, de ce pittoresque, de, euh, de ces sensations. Hein, Bernardin comment... de Saint-Pierre, oui, Rousseau, voilà. bien sûr. Rousseau. Hein, toutes ces, oui, ces que chantres. On de, ressent de, de la nature devant originelle. cette ouais. nature euh, originelle. Mmh. Et donc, euh, il y a les premiers euh, courants. Euh, d'artistes notamment, alors on peut penser aux, aux peintres, hein, ou aux écrivains, qui réclament une protection justement de cette nature sauvage, puisqu'on parlait tout à l'heure de Fontainebleau, hein, Fontainebleau euh, et, voilà, hein, est protégé hein, dès le second empire dans cette optique-là. Mm -hmm. hein. Donc par la suite, ce, ce type de, de mouvement de protection, hein, c'est euh, à perdurer. Et on a encore hein, des, des, des réserves naturelles euh, qui ont pour euh, but à la fois de, de protéger des écosystèmes, mmh. mais aussi parfois... Alors, vous à pouvez ce avoir des, des protection des écosystèmes à ce moment-là. Non, moment oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est ce mais... mais... votre vision ah, euh, à ah, posteriori Non, mais actuellement, depuis la, 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 la Seconde Guerre mondiale, mmh. on oui. va protéger. Vous avez des réserves intégrales où on, le but, c'est de protéger les écosystèmes. Et un petit peu avant, euh, début euh, du XXe siècle, on a l'idée de protéger des paysages. Oui, Et là, euh, avec aussi l'idée euh, de les montrer. Euh, donc euh, l'idée d'une édification, en fait, euh, de montrer des paysages protégés dans toute leur beauté. Et euh, là, euh, évidemment, hein, euh, il y a toute la, la question que. Euh, quand on protège quelque chose avec l'idée que c'est beau euh, et qu'il faut le montrer, euh, cela attire le tourisme et euh, on est dans un jeu complexe puisque le développement massif du tourisme oui. peut avoir un contre-effet euh, sur euh, justement euh, ces forêts que l'on cherche à protéger. Donc il y a les deux aspects. On est toujours dans cette recherche d'équilibre entre la ouais. espèce de volonté un peu fantasmée de sanctuarisation. De, de la forêt, et puis quand même bah, la fonction sociale de la forêt, la fonction économique, la fonction, euh, euh, donc, et, et, y compris symbolique euh, encore. Donc euh, on, on est toujours ce que disait Pascal Vinet, c'est-à-dire ce, 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 cette mmh. recherche d'équilibre souvent euh, euh, difficile, subtile, mmh. hein, euh, et, et on en est encore là aujourd'hui. Oui, vous avez totalement mmh. raison. Hein. Euh, la forêt euh, touche à tant de domaines hein, ouais. qui sont les domaines de l'économie, le domaine ouais. social, le domaine des loisirs actuellement, euh, le domaine de, de, no, de notre imaginaire. Il y a tant d'enjeux et aussi euh, tant de, de visions parfois contraires hein, ouais. sur ce que l'on pourrait en faire, euh, sur les pratiques. Euh, donc il y a euh, parfois des euh, conflits d'usage hein, en forêt. Euh, et euh, cela montre toute la richesse en fait, de, de, ces, de, ces, de cet espace euh, et toute son, de, toute son importance en fait, dans, dans tous les âges de yes, nos sociétés. Oui. Est-ce que vous croyez que le courant productiviste a tant d'importance que ça c'est-à-dire que la société française a pris conscience qu'on produisait quelque chose dans la forêt et qu'en conséquence, il fallait aussi préserver cet aspect productif. Ou bien est-ce qu'au fond, la société est plutôt consciente de la question tourisme, de la question agréable, de la question romantique, de la question beauté que de la question production alors, il faudrait poser cette question aux sociologues hein, qui font oui. des enquêtes euh, sociologiques oui, avec, êtes, avec des, euh... des, des entretiens. Alors, ce qu'ils montrent hein, beaucoup plus euh, que, en fait, pour une grande majorité euh, des gens, euh, c'est plutôt l'aspect ludique, l'aspect voilà, romantique, oui. ouais. et que lorsque l'on – L'on questionne, hein. euh, il y a beaucoup plus une opposition à euh, les coupes de bois, voilà. la productivité… – La production est mal vue. Voilà, tout à fait, oui. – en fait, il les a... gens n'ont pas conscience que c'est un lieu de production absolument non. essentiel. – En fait, nous sommes contradictoires, hein. nous voulons à la fois notre maison en bois… Euh, oui. mais il faudrait pas couper les arbres. <laughs> voilà, nous voulons aussi notre mais petit feu de bois euh, le sûr. soir, mais oui. il ne faudrait pas couper d'arbres. Donc euh, voilà, nous sommes, nous sommes contradictoires. Patrick, Et donc, dans votre livre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on comprend que. Euh, bah, comme très souvent l'histoire a été un petit peu manipulée, on pense à Michelet et beaucoup d'autres qui étaient géniaux, mais bon, un peu manipulateurs, mais, euh, et, et qu'en fait vous, vous allez contre un, un grand nombre de clichés, par exemple quand on parle de la, si on revient en arrière, de la Gaule chevelue, bah, vous dites bah non. <laughs> elle n'était pas tant que ça en fait, chevelu. Euh, et en oui, fait, vous ça... dans une période où la, où la oui. forêt va diminuant. Oui. Et elle n'était pas tant que ça. Il y avait déjà une grosse exploitation de la forêt. Et, et, et en fait, vous dites, bah, le paysage y ressemblait plutôt au bocage de l'Ouest euh, avant le, le remembrement, quoi. En gros. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, parce qu'on n'a pas cette image-là. Et, et, et au fond, euh, la fabrication de la Gaule Chevelu, elle est un peu idéologique à travers la guerre des Gaules de César où lui, c'était peut-être pas pour compenser sa, sa calvitie, mais mais en tout cas euh, construction euh, idéologique pour, euh, pour accuser le côté la sauvagerie des populations celtes qu'il avait à mater. Donc c'est intéressant de voir que derrière la forêt, effectivement, peut se cacher une autre forêt. Et ça, vous le dites très bien. Mais vous avez tout à fait raison, en fait. Euh, c est, c est, ces connaissances sont relativement nouvelles. Ouais. Elles sont liées au progrès de l'archéologie, en fait, hein, ouais. euh, puisque auparavant, on se fondait sur les sources écrites. Ouais. Et et euh, les sources écrites ont sans cesse répété euh, justement euh, bah, la, la vision euh, de César dans la guerre des Gaules ou la vision des évêques euh, à, au, au Moyen Âge. Et donc euh, on a recopié les sources écrites sans plus d'esprit critique. Et les archéologues, avec les nouvelles techniques qui permettent euh, de faire ressortir en fait, des paysages, de faire ressortir sur, objectives, là, voilà, hein, sur, sur un secteur, de, 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 de montrer qu'en fait, euh, même sur des secteurs où, actuellement occupés par des bois, euh, il y avait auparavant, à l'époque de la Gaule, euh, un village avec son exploitation agricole. Ça a permis euh, de remettre en cause cette, euh, cette ah. ancienne vision. En vous lisant Martin Chalvet, j'ai eu l'impression que euh, la forêt comme production, comme lieu de production, euh, ça commence idéologiquement. Idéologiquement, hein, ça ne veut pas dire que ça ne produit pas avant, évidemment, ça produit mmh. des choses. Mais euh, comme lieu de production de façon systématique, ça vient au XVIIe siècle. Avec euh, l'exploitant du bois de chauffe, avec euh, l'exploitation pour euh, pour les bateaux, Marine avec l'exploitation euh, euh, d'un massif et, et les trains de bois, etc. On a l'impression que le XVIIe siècle est aussi un tournant, un tournant du point de vue de l'exploitation et de la pensée, au moins euh, à l'initiative mmh. des économistes et de ceux qui tiennent l'économie. Euh, qui petit à petit, au fond, s'imposent et organisent la forêt pour produire quelque chose. Oui. Alors, il y avait eu un premier épisode à l'époque médiévale, hein, oui. euh, mais euh, par la suite, euh, comme le montre d'ailleurs le, le graphique que euh, vous avez choisi, euh, et il y a eu la peste, il y a eu la guerre de 100 ans, et en fait, ces premiers temps hein, d'aménagement, d'exploitation plus rationnelle des bois, euh, n'ont pas perduré. Alors, on retrouve ça. À l'époque moderne, hein, 16e et surtout 17e, en effet, euh, avec tout de même des progrès techniques, hein, ben le, 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 les nouvelles modalités de construction maritime, euh, avec le, le, le développement des forges, avec le développement de nouvelles manufactures, en fait, comme les manufactures de glace, par exemple, hein, qui utilisent beaucoup de bois. Euh, donc, du coup, il y a une volonté de rationaliser l'exploitation encore plus, hein, euh, à partir de techniques hein, qui étaient déjà des techniques souvent connues, euh, mais que l'on va euh, appliquer euh, beaucoup plus euh, en essayant de, de faire en sorte que ce soit plus systématique euh, sur, euh, sur des bois, donc euh, de compartimenter, euh, euh, de mieux gérer les coupes, et euh, donc de pouvoir avoir justement... Euh, cette euh, production, alors euh, c'est une, une tentative, hein, ce n'est oui. pas forcément abouti, hein, euh, pour pouvoir euh, avoir toujours une ressource euh, présente et qui se renouvelle. – Alors est-ce qu'il n'y a pas une dernière révolution, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, où on veut mettre la campagne à la ville Et que dans la mesure où on met la campagne à la ville, on en parlait tout à l'heure, euh, les gens veulent voir dans leur environnement immédiat à la ville des arbres poussés vous partagez euh, euh, l'adhésion euh, de ceux qui vous ont précédé dans ce fauteuil euh, avec euh, cette écologie facile avancée par les équipes municipales euh, d'Europe écologie les verts en disant construisons en ville des arbres alors, c'est une tendance que, euh, dans les sources, je vois très clairement apparaître euh, au 19e siècle, hein, avec euh, une méfiance euh, de la ville euh, qui serait euh, un monde euh, malsain, un monde de stress, un, un, un minéral, monde euh, ou... aussi où, où l'air n'est pas pur. Ouais. Donc, euh, on le, peut le relier aussi euh, euh, au, au mouvement hygiéniste du, du 19e. Et dès le 19e, hein, euh, vous avez. Euh, la volonté de mettre en place des parcs avec des arbres. Et il y a euh, tout un discours, euh, en général le discours euh, que j'ai étudié, c'est celui de la, la bourgeoisie que l'on retrouve hein, dans des associations, euh, justement de vouloir euh, mettre cette nature en ville et d'admirer justement l'arbre euh, comme euh, bah, le médecin de l'âme, euh, comme celui qui amènerait une atmosphère pure. Euh, et comme celui qui résouit nos vies. Donc en fait, c'est un. Rien de nouveau. Voilà, rien sorte. de nouveau sous le soleil, ouais. si l'on peut dire. Ouais. C'est un mouvement hein, que l'on voit ouais. euh, dès le 19e et qui euh, peut-être euh, s'amplifie euh, encore euh, actuellement. Sauf qu'aujourd'hui, me... on a les moyens de mesure, il y a des, 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 évidemment, des techniques qui permettent de mesurer, quand même, on le disait oui. tout à l'heure, l'incidence que peut avoir l'arbre. Mm -hmm. Euh, multiplié dans les villes. Mais encore une et fois, même. la question de l'incidence climatique, c'est quand même très récent. Oui, il ne faut pas, pas récent, essayer de projeter cette ah idée oui, oui. Euh, oui, sur oui, le passé. Fait, oui, mais oui, oui, mais en revanche, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas récent, c'est le surinvestissement affectif. Non oui. et, et vous écrivez très bien dans votre livre que oui. ça c'est présent euh, depuis très longtemps ce surinvestissement affectif de la forêt non oui. Oui. Alors après il est très difficile de mesurer euh, quels étaient les affects vis-à-vis euh, -vis de la forêt, de ceux qui n'ont pas laissé de traces écrites et qui n'ont pas laissé oui. de récits. donc euh, on, ne pas, cènes, voilà, exemple, oui, euh, on ne sait pas voilà on ne sait pas ce que est voilà. au cœur de tout. Un celte ouais. ou un paysan du Moyen Âge vis-à-vis -vis de la forêt, est-ce qu'il était aussi transporté par la beauté On ne le saura jamais. Donc on, on connaît surtout le récit des élites. Et donc ce, ce, ce transport provoqué par la forêt, on va le retrouver 18e, 19e, dans les écrits de la noblesse, dans les écrits de la bourgeoisie. Donc ce n'est pas quelque chose, vous avez totalement raison, hein, d'ancien. Euh, bien que, euh, ce c'est ce quelque chose d'ancien, pardon, oui. euh, mais voilà, on ne peut pas le mesurer euh, sur oui. une très très longue durée. – Merci Martine Chalvet, alors je rappelle que votre livre s'appelle Une histoire de la forêt, il est publié aux éditions du Seuil, et euh, à l'issue de cette émission, je voudrais conseiller à nos téléspectateurs euh, de fermer leur euh, télévision, puis d'aller courir en forêt, pour voir ce qu'il en est, effectivement. – Ou, marcher, ou marcher. Et, et, Non, non, courir en forêt, pour ou voir vraiment ce qu'il en est de la forêt, au fond, qu'est-ce qui domine pour eux est-ce que c'est le plaisir d'y être ou est-ce que c'est le sentiment que de la forêt sortira quelque chose de productif Bonsoir.